Salut tout le monde. Ici en Belgique, on peut rouler à l'extérieur. C'est autorisé par le gouvernement. Voilà, j'ai beaucoup de chance. Pas loin des monts Flandriens, personne sur la route. Il a simplement modifié son parcours d'entraînement. Désormais, Florian Sénéchal ne franchit plus la frontière entre la France et la Belgique. Pour le reste, il peut continuer à rouler en solo comme tous les pros ici. Une sortie de 2 heures ce matin-là, avant de rentrer chez lui, confiné, mais un peu libéré. Moi, je le sens que ça me fait du bien quand je pars m'entraîner tous les matins à l'air libre. Ma femme qui ne sort pas, au bout de 3 jours, commence à tourner en rond. Donc oui, j'imagine que pour les autres qui sont confinés H24 et qui doivent faire l'entraîneur alors que ça fait 2 semaines qu'on a un grand ciel bleu, même 3 semaines, enfin, je pense mentalement, c'est pas facile. Florian est là, et normalement, oui. Rémi ne doit pas être loin. En parlant de confiné H24, voici Rémi Cavagna, son coéquipier chez la Deconinck Quickstep. C'est quoi ton t-shirt ? Où est Charlie ? Ça va, t'as pas cassé le manette de PlayStation ? Ouais, ça va pas tarder là, tu vois, ça va pas tarder. Surtout le home trainer, je pense. Mais... Ah ouais, le home trainer, voilà. S'il parle de jeter son home trainer, c'est que lui vit à Clermont-Ferrand. Rémi entame donc dans son appartement sa 4e semaine de télétravail. Évidemment, j'aimerais bien rouler dehors, parce que c'est notre travail, évidemment. Je vois pas pourquoi un chauffeur, comme je disais, un gars avec son vélo à Uber Eats qui peut livrer des sandwichs à des personnes qui roulent en vélo, qui peut faire je sais pas de combien de kilomètres, puisse faire du vélo, alors que moi, c'est mon travail aussi et je peux pas faire de vélo, donc c'est un peu bête, mais après, c'est pas de la jalousie, quoi. C'est comme ça, en France, c'est comme ça, donc tout le monde doit le respecter. Comme Rémi, les professionnels montrent l'exemple en France. Mais avec les disparités entre les pays, on peut s'interroger sur l'équité. À la Groupama FDJ, par exemple, un tiers seulement de l'effectif peut rouler dehors. Et les confinés, eux, ne font que du home trainer. Quand on est sur home trainer, on n'est pas dans, on réalise pas un travail véritablement spécifique comme celui qui est réalisé sur la route. Il y a pas, on est souvent en position assise, on est moins danseuse. Donc c'est sûr qu'entre ceux qui peuvent continuer à rouler à l'extérieur et ceux qui ne peuvent faire que du home trainer, il y a quand même une petite différence. Travailler chez soi, on va dire, sur home trainer, ça va aller un moment, mais on ne pourra pas non plus rester longtemps sur ce modèle-là. Nous, on espère qu'une chose, c'est qu'évidemment, on puisse, au moment voulu, retourner sur le terrain s'entraîner. Maintenant, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à nous de juger. Le retard pourrait se rattraper en mai et juin à l'entraînement. Pour le reste, c'est au ministère de décider. Et les coureurs, eux, ont un seul message à faire passer. Et surtout, restez chez vous.